Eh bien, salutations, j'espère que vous vous portez bien et surtout, eh bien, j'espère que vous m'entendez. Je pense que oui. Bonsoir à la grande Fred, bonsoir à Benjamin Marquis de l'Épine et bonsoir à moi-même. Ce soir, hein, vous avez très bien compris que nous nous attaquons à la suite de Superman 64. Je me demande vraiment à quelle sauce je vais être mangé pour la suite. Ah, j'ai vu que tu avais écrit, Benji, que mon stream n'était qu'en 1080p. Bah, je suis désolé. Malheureusement, c'est arbitraire. Je ne peux pas du tout influencer si vous êtes bloqué en 1080p. Ou si vous pouvez avoir le choix. Après, si j'étais partenaire Twitch, j'aurais pu. J'aurais pu être en permanence, être en mesure de vous proposer la qualité que vous souhaitez. Après, je sais... Est-ce que... Bah, je peux pas changer là maintenant. En fait, je serais obligé de stopper l'enregistrement et le live pour pouvoir mettre, par exemple, je sais pas, en 720p. Après, bon, ce serait peut-être un petit peu dommage. Alors, hop. On va croiser les doigts pour que la sauvegarde soit toujours présente, hein, mais sincèrement, je m'inquiète pas trop pour ça. On est rendu quoi? On est au niveau 8, je crois. Haha, bonsoir Zigurd. Tu peux pas redémarrer le live? Je peux essayer ça. Ouais, je peux essayer ça, si tu veux, Benji. On peut essayer ça, tiens, ouais. Ouais, on va essayer ça, tiens, je vais couper le stream. Et le redémarrer, peut-être que ça vous permettrait effectivement, pour ceux qui peuvent pas utiliser le 1080, de pouvoir choisir. Hein. C'est vrai que c'est vraiment dommage, hein. C'est chiant. Je coupe et je reviens dans quelques instants. Bon, j'ai redémarré... Pardon. Je viens de redémarrer le stream, du coup. Et peut-être qu'en... Effectivement, en redémarrant... Oh, je suis vraiment content, Benji, que ça ait marché, tiens. Je suis vraiment content que... Qu'une solution aussi simple... ait pu résoudre des soucis, tiens. Bah, c'est cool, hein. Merci que tu m'aies prévenu, comme ça, moi, je peux sans problème redémarrer. Et sans couper l'enregistrement, ça, c'est bien aussi. Je peux mettre en pause l'enregistrement et le reprendre. Comme ça, je n'ai qu'une seule... Qu'un seul fichier d'enregistrer quand j'enregistre sur OBS, quoi. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, la grande Fred, ouais, toi, t'as zéro problème d'image. Bah, en fait, toi, tu as la fibre, la grande Fred, donc tu peux tout à fait regarder du 1080p. Mais ce qui n'est pas le cas de Benji, qui, je crois, n'a pas la fibre ou est en ADSL. Et donc, du coup, il est obligé de regarder le stream peut-être en 480, voire 720, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Mais 1080, si t'as pas la fibre, tu peux pas le supporter. Tu peux juste pas. C'est juste pour ça, en fait, la grande Fred. Franchement, il est trop beau, GG Olawik. Ah, il y a GG Olawik. Il est où, GG Olawik? Il est dans la campagne, les gars! Bref, donc je me suis assuré de mettre en mode Superman, même si je crois que j'ai pas besoin de le faire, parce que le fichier de sauvegarde est resté dans le fichier de sauvegarde. Je pense que skill 3, ça veut dire troisième niveau de difficulté. Alors, je reviens, je vais mettre un petit peu de chauffage, parce qu'il fait quand même un petit peu froid. Je pense que c'est... Ouais, je pense pareil, la grande Fred. Hein. GG Olawik doit être avec Zigurd. Donc du coup, bah, bonsoir à GG Olawik. Hein. Attendez. Bon, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? In short time, your fate will be sealed, Superman. Mais oui. Bah, de toute façon, mon destin a déjà été scellé dès l'instant où j'ai inséré le jeu dans la console. Hein. Dès que j'ai commencé le jeu, hein, je savais que mon destin sur ce jeu serait funeste. Hein.
Voilà, on avait terminé l'entrepôt. Apparemment, on a passé 1 heure, non, 3 quarts d'heure pour terminer ce putain de niveau. Oh. Le niveau, enfin, en fait, c'est pas le niveau en lui-même qui est horrible, c'est juste les combats. Et les combats sont. Il y a beaucoup de choses ratées dans ce jeu, mais je pense que le plus raté, c'est quand même les combats. Bonsoir, Chaîntrion! Enfin, super bonsoir, Chaîntrion! Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous jouons à un super jeu sur lequel je vais vous proposer un super stream. Même si en réalité, ce jeu est super nul. Je nettoie un petit peu, hein. Je vois que j'ai postillonné sur ma table et tout. Eh bien, écoutez, on va pas refaire l'entrepôt. On va plutôt continuer là où nous sommes arrêtés. Then there's no time to waste. Allez, no time to waste. Oh putain. Oh! Ah, en fait, pour tout vous dire, bon, vous avez remarqué que j'ai un petit peu de retard. Oh putain, ça commence bien. J'ai un petit peu de retard par rapport à l'heure à laquelle je démarre mes streams. Et en fait, je suis chez moi là depuis pas très longtemps. Bon, j'ai eu le temps de manger et tout, il n'y a pas de souci. Et comme il fait froid dehors, bah, je suis pas encore tout à fait entièrement réchauffé. Donc là, je sens que mes doigts sont un petit peu engourdis. Et je sens que ça va être un petit peu handicapant pour jouer à ce jeu, d'avoir les doigts un peu engourdis par le froid. Parce que là, j'ai déjà raté 2 anneaux. En tout cas, j'espère que le son, la capture, c'est bon, hein. Normalement, je n'ai pas touché à mes paramètres, donc si c'était bon dans les streams précédents, merde. Ça devrait être bon là. Ça, c'est quand même incroyable, hein, les anneaux qui traversent le sol, quoi. Bah. Genre, tu punis mon timing, quoi. Mais bah, non. Ouah! Allez, on accélère un petit peu. Wahoo! Faut tellement bouger dans tous les sens, à droite, à gauche et tout, c'est Space Mountain le truc, hein. Allez, on fait à 360 degrés, voilà, très bien. Oh! J'ai mes doigts qui sont en train de se geler sur place. Après, mon appartement, ça va, j'ai le chauffage qui marche, je suis pas à la rue et tout. Je suis au chaud, hein, y a pas de souci, mais. Ah, mes doigts. Ouah! Wow! Touche pas l'anneau gris. Où est l'anneau vert? Je l'ai touché. Anneau rouge. Attendez, j'ai envie de me gratter là depuis qu'on a commencé là. Ah! C'est bon. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est? Élimine les 4 Dark Shadow, putain. Vas-y, dégage. À ton tour. Voilà. Ça, c'est bien joué. Ouah, ça a explosé, mais on s'en fout. Et merde, bon, il va falloir l'avoir au combat rapproché, pas le choix. Si j'arrive à m'approcher de lui, voilà, c'est bon. Pourquoi je suis à terre? Je sais pas pourquoi. Non, qu'est-ce que tu fais? Putain, non! Je vais perdre à cause du gameplay à la con. Mais où est-ce que t'es tombé? Du coup, le compte à rebours va être à 0. Non, c'est bon, j'ai gagné quand même, il est tombé. C'est... Oh là là là. Oh, les combats, quoi.
Mais est-ce que dans les compétences de Superman, il est capable de voler dans l'eau comme il vole dans les airs? Je crois que oui, hein. Je sais qu'il y a un épisode de Justice League où ils sont dans la mer, bah c'est l'épisode où il y a Aquaman justement. Et enfin quoique, moi je sais pas. En même temps, ils sont tous capables de bien se mouvoir dans l'eau, donc du coup, c'est pas trop déconnant pour Superman, on va dire. Oh, c'est pas grave, elle est un seul. Mais ne rentrez pas dans les décors. On passe tellement par les mêmes endroits. Je sais que Metropolis, c'est censé être grand. Moi, je pensais que, bon, même s'ils recyclent la même zone, elle serait assez grande pour que les parcours des anneaux, on ait la sensation de parcourir différents coins de Metropolis, mais non, même pas. Même pas, j'ai l'impression de reconnaître à chaque fois les mêmes coins. Wouhou! Putain, la vache, les boucles qu'ils nous demandent de faire. D'ailleurs, d'après le mode d'emploi, alors je vous avais déjà dit hein, qu'il existe un mode multijoueur de ce jeu. Ce qui est quand même assez incroyable, hein, je serais très curieux de tester le mode multijoueur. Qui peut se jouer jusqu'à 4 hein, en écran splitté, hein, donc vraiment... Bah, si jamais le mode multijoueur, il fonctionne, enfin quand je dis qu'il fonctionne, qu'il tourne, qu'il soit, enfin, que le mode multijoueur soit capable de tourner, c'est ça que je veux dire, je serais un minimum impressionné. Mais à ce qui paraît, en fait, le mode qu'il y a, en fait, c'est un espèce de mode course. Un mode course où il y a un des joueurs, en fait, qui vole et qui laisse des anneaux derrière lui. Et en fait, les joueurs derrière lui doivent le suivre. Détruis les trois porteurs de mine. Ben, c'est parti. Tiens, un premier. Toi, tu dégages. Effectivement, je suis dans le Metropolis virtuel. Ouais. Ben, malheureusement, hein. Ah, attends, c'est toi. Il y a du mouvement là-bas. Un poseur de mine. Non, t'es un civil. Quoi? Mais... Alors, est-ce que le jeu considère que je viens de tuer un civil en lui rentrant dedans? Hein? Non, parce que... Attends, tu... Tu fonces vers un bonhomme, le bonhomme, il bouge pas. Tu le touches, game over. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je meurs? Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Oh. Ah mais tu as raison, la grande Fred, hein, touche pas à ça. Hein. Moi seul suis en mesure de supporter l'atrocité de ce jeu. J'arrivais mieux au premier coup, mais en même temps, les anneaux bougent tellement vite et loin. Mais c'est pas possible! Bon, après, ça va, j'ai assez de temps pour me permettre de faire demi-tour. Mais après, je ne suis pas surpris hein, que le PNJ n'ait pas eu d'animation de mort. Hein. Enfin, le jeu nous a habitués. Parfois, Superman, bah, quand il meurt et quand il est dans les airs, bah, il n'y a pas d'animation. C'est juste Lex Luthor a gagné. Il n'y avait pas d'animation où Superman tombe. Quoi. Au moins, il y en a une, il tombe par terre quand on est au sol. C'est déjà ça, mais ouais, dans les airs, non. Et je pense que ça a fait pareil pour le civil.
Putain, en fait, j'ai eu du bol, hein, parce qu'ils font, ils font, ils ont vraiment un... Les anneaux qui se déplacent, ils se déplacent sur une bonne distance quand même. Hein. Si jamais tu n'as, enfin, tu arrives à un moment différent, bah, l'anneau va être dans une position qui n'était pas forcément la même dans l'essai précédent. Est-ce qu'ils sont à la même hauteur? Mais ils sont là. Aïe, 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 aïe. Par contre, attention, leurs mines font quand même des dégâts. Ce qui est hallucinant, c'est que le PNJ... Oh putain, il m'a explosé dans la gueule, mais c'est pas grave. Putain, le PNJ, il se trouve dans une zone, en fait, où il est même pas en danger. Ou alors peut-être que si je traîne trop, les poseurs de bombes vont finir par atteindre le PNJ qui se trouvait sur le toit. Et donc du coup le tuer. Mais autrement, pourquoi est-ce qu'il y a un PNJ qui... Bah, que tu peux risquer de tuer. En plus, rien qu'en lui fonçant dessus. Hein. Bon, en même temps, on peut battre des ennemis en leur fonçant, en leur rentrant dedans, je veux dire. Ok. Ouh! Et merde. Oh putain, c'est sous le pont. Pas trop sous le pont non plus, hein. Pas grave. Je vais être honnête, le maniement de Superman en vol, je trouve pas mauvais. Enfin, le principal, les ados et tout, non, oui, c'est ça, voilà, c'est un peu naze. Enfin, si ça avait été des mini-jeux dans le jeu, ok, mais c'est le jeu principal, donc du coup, en un seul mot, je dis non. Mais la façon dont on dirige Superman, dont on le contrôle en fait pour voler. Et ça, je trouve que ça fonctionne. Hein. Je trouve que c'est même plus facile de diriger Superman que Mario ailé dans Super Mario 64. Hein. C'est peut-être choquant ce que je dis là, mais... Oh, je descends lentement parce que ben, je voyais pas les ados, en fait. On dirait qu'on est sur une piste d'atterrissage. Un aéroport. Sauve les otages. Vas-y. Oh, ça rame. Oh, ça rame. Quoi, t'es pas mort? Oh, le gameplay. Tiens, bam. Oh, merde, ils ont plusieurs points de vie. Oh.
Putain, tout ce qu'il a à faire, c'est marcher. Du coup, je peux pas le toucher. Oh, j'ai réussi. Mais il y en avait encore un. Il restait encore un ennemi, hein. Non. Bon, tant mieux, hein. Je vais pas me plaindre, hein. Je vais pas me plaindre que le jeu me dise que j'ai gagné. Bon, là, déjà, on change un petit peu d'ambiance. Pourquoi pas. Enfin, bon, un petit peu, hein. C'est pas non plus... Pas non plus de quoi sauter au plafond. Oh, tu crois que je t'avais pas vu, toi. C'est limite, hein. Tant pis, on rate un anneau, c'est pas la fin du monde. Je suis obligé de m'arrêter, hein. T'es où? Ah bah... Oh mais c'est pas vrai, t'en mais ne t'échappe pas. T'es où? T'es là. Oh, oh, oh. Ah, attention. Ah, je suis obligé d'aller à tâtons, hein. Attends, je veux juste... Voilà, rezoomer un petit peu la caméra. Ah, tu vas te coucher la grande Fred. Bah écoute, merci beaucoup à toi d'être passé, même brièvement. Et bah, je te souhaite une très très bonne nuit. A très bientôt. C'est le jeu Superman 64 qui te prive de toutes tes forces, c'est ça? Rien que de voir le jeu tourner, ça vampirise ton énergie. Par là, par là, par là, oui! Par là, par là, oui! L'intuitation. Enfin, l'intuitadatation qu'il faut dire. Ton jeu essaie de me sucer le cerveau. Détruit les 5 poseurs de mines. Que de missions variées, ma foi. Putain, mais dès que je les chope, je perds des points de vie, quoi. C'est un peu fou. Bon, soyons un peu plus malins. Voilà. Attendons bien que les mines soient déjà posées, et comme ça je me ferai pas toucher. Oh, je l'ai pas eu.
Allez, it's a job for Superman. Waouh, et doucement, hein. Eh oh, vous revenez de soirée ou quoi, là, les ados? Oh bon, c'est pas grave. C'est quand même long pour rien, hein, les vols à travers les anneaux, hein. Je maintiens que le vol, c'est la meilleure partie du jeu, hein. Oh mince. Mais ça fait trop rire, tous ces ados qui dansent, là. Ça donne un côté ridicule, un peu comique, quoi. C'est... Merde, 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 merde. Il est bien long, ce passage. Ah ben... La pire nouvelle, c'est qu'on en a eu d'autres, hein, des passages longs comme ça. Hein. Et c'est pas prêt de se terminer. Je suis sûr que dans les derniers parcours du jeu, on va avoir des trajets, on va faire tout le tour de Metropolis. Et je me demande si c'est pas déjà fait, tiens. Là, c'est ça, il danse la merguez party. Non ! Merguez party ! Bon, j'ai oublié les paroles de ce clip, hein. Waouh! Mais c'est. En fait, si on regarde le trajet, ça fait comme un Scooby-Doo, quoi. À force de faire des boucles comme ça, là. C'est vraiment malheureux quand même, hein, que le jeu soit comme ça. Hein. C'est vraiment... Oh, attention. Bon, c'est pas grave, on est à la fin. Ok, Superman wins. On est au Daily Planet, c'est ça? Parfait.
Non, vraiment, je. Putain, ça aurait pu être un. Ah, c'est Jimmy Olsen qu'il va falloir sauver. Jimmy Olsen, le célèbre journaliste, est retenu prisonnier par les troupes diaboliques de Darkseid au troisième sous-sol du parking du Daily Planet. Libérez Jimmy, assommez Darkseid et ramenez-le aux forces de l'ordre. Putain, ah déjà, Louis. Oui, c'est ça, Louis. Bon, c'était quand même un vrai boulet. Mais je pense que Jimmy Olsen. Ouh! Ah, je sens qu'on va pas l'aimer, tiens. Ah, je sens qu'il va être une vraie plaie à protéger, tiens. Bon, est-ce que j'ai passé une heure dans ce niveau-là? Ça se prononce Darkseid? Bah pourquoi est-ce que c'est pas écrit Darkseid alors? Ah oui, c'est pour ça que je dis Darkseid, parce que c'est même pas marqué Darkseid. Moi je lis Darkseid, parce que moi je sais comment s'écrit Side du coup. Moi je ne lis pas Side, donc du coup je dis Seid. Mais oui! Après peut-être que oui, peut-être qu'ils sont gourés que c'est Darkseid. Hein. Encore une fois, je connais pas assez bien Superman. Hein. Je connais vraiment pas assez bien Superman. Mais c'est vraiment. Ah oui, donc c'est vraiment Darkseid côté obscur quoi. This looks like a job for Superman. C'est un des méchants les plus puissants de Superman. Ah ouais, punaise. Darkseid, ah ouais. Et donc c'est même pas le boss final quoi dans ce jeu-là. Et donc apparemment il faut descendre. C'est considéré comme le diable dans l'univers DC. Ah ouais, rien que ça. Ah c'est bien son écriture, mais ça se prononce Darkseid, d'accord. Metropolis compte sur vous, Superman. Ramenez-nous Darkseid, ok. Merci, policier. Ah oui, d'accord. Putain, la vache. Elles sont un petit peu petites, les voitures, hein. Ou alors, c'est. Bah, après, non, je pense que Superman est grand. Je pense que Superman est grand, mais bon. Là, c'est un Dark Shadow. Ah là, il y a du souffle. Ah, pour éliminer les ennemis, ce serait pas mal de leur rentrer dedans. Oh, il y a du rayon. Tiens, hop, le laser. Et boum! Et merde. Oh, ça rame. Merde! Mais tire, bon de Dieu! Oh tiens, il y a de l'énergie. Bon, un autre point positif qu'on peut donner à ce jeu, c'est le bruitage des coups de poing. Il y a le mur qui a pété! Incroyable! De la destruction de décor! Oh là là, ils sont nombreux par contre, hein. Oh, j'ai fait péter la voiture là! Oh là, et là, ils sont nombreux! Non, les pouvoirs! Oh là, tac, tac, tac! Oh là là! Ok, bon là, il y a des points de vie, prenons. Vas-y, prenons. Bon, la meilleure attaque, c'est de leur rentrer dedans comme ça. Hein. C'est qu'ils ont mis des points de vie quand même, hein. Ils sont sympas. Hein. Et du coup, ça, c'est. Je peux dégommer. Alors, peut-être pas comme ça. Peut-être. Ah, ok. Limitation de vitesse à 25.
Bah, j'ai pas envie de prendre tout de suite des points de vie, quoi. Là, je suis quand même assez presque full. On va rentrer par là, écoutez, hein. Allons par là. Oh! Donc ça, on dirait que c'est un ascenseur. Fonctionne-t-il? Il fonctionne. Merde. Quand je pense que sur la même console, il y a GoldenEye, quoi. Ah putain. Quand je pense que sur la même console, il y a Perfect Dark, quoi, quand même. Ah, c'est un panneau fléché. J'étais en train de me demander c'était quoi. Je pensais que c'était genre le flingue d'un des ennemis là qui traversait le mur. Alors comment je vais faire? Lui, je dois le contourner. Putain, ça n'a pas marché! Oh! Il a réussi son embuscade. Putain, je sens que je vais devoir revenir en haut parce que ben, j'ai besoin de vie, quoi. Je peux pas voler parce que j'ai un plafond qui est trop bas. Vas-y, vole. Vas-y. Bam, allez. Hop. Non! J'ai cru voir un jeton de vie, ça c'est une bonne nouvelle. Ah! Ah ça c'est un jeton pour posséder un ennemi. Choisir un ennemi, bah oui mais il n'y a plus personne en fait. Hein. On l'a... Voilà. Et ça me restaure tout! Oh vous êtes généreux. Bon, j'imagine que j'ai toujours le pouvoir qui me permet de posséder un ennemi, donc je pourrais l'utiliser pour une prochaine vague. Tiens, lui. Tu es mon allié. Vas-y, finis-le. Bon, vous croyez qu'il va me suivre? Franchement, j'y crois moyen. Hein. Bon, bah. En vrai, s'il me suit pas, je vais le tataner, hein. Il sert à rien. Bon, pour le moment. Oh putain, ouais, oula, aïe, 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 mais oui. Oh, il a traversé le mur. Bon, là, il y a l'ascenseur, mais là-bas, je peux continuer. Oh non! Ouh! Non, j'ai pas réussi à bien m'envoler pour. Alors lui! Ouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Il est mort? Ok, bon, demi-tour, demi-tour, demi-tour. Allons à l'ascenseur. Le principal, c'est de d'atteindre les sous-sols. Bon, si l'ascenseur est bien en marche, hein, bien sûr. Hein. Ah non, il monte! Merde. Cet ascenseur monte. Ah mais c'est peut-être le même qui m'a... Ah mais non, mais ne monte pas! Que dit le message? Tu es mon allié. Ok, d'accord. Je mets plus les consignes de la mission, quoi. Enfin, si, tout ce que c'est, c'est que je dois aller au dernier sous-sol. Enfin, au troisième, du moins.
Pas de parking 2 dans cette zone, bon. Oh! Putain, on peut le casser. Attends, si ça se trouve, ça va être une escorte de Jimmy. Mais je suis sûr que ce sera ça, hein, Benji. Hein. Je pense exactement la même chose. Et vous avez vu à quel point, même ça, c'est galère à sauter, là. Surprise! Qu'est-ce que c'est, là, le S? Oh! On dirait un beau power-up, là. Ah d'accord, ça a rechargé mon pouvoir laser. Et ça m'aurait pas redonné de la vie aussi, tiens. Il me semblait que ma jauge de santé était plus basse que ça. La première fois dans le jeu où je trouve un passage secret. Est-ce qu'il y a des ennemis qui m'attendent là? Tu trouves un passage secret? Tu dis, bah tiens, ça va être un item et tout. T'as des ennemis qui montaient la garde là, quoi. Ah, ça me fait sourire, mais ça me fait pas rire. En fait. Merde, oh non. Là, il y a des points de vie. Tire-lui dessus. Et bam. Putain, ça alourdit l'exploration. Hein. Tu pètes un mur. Tu traverses un petit couloir. Bon, pas très long. T'intéresses dans une salle où t'as des ennemis. Donc, du coup, tu perds un peu de ressources, des points de vie et tout. Et tu récupères des points de vie, quoi. C'est... Ouais. Ça fait beaucoup de choses, quand même. Hein. Et je vous parle pas de la galère que c'est que de lever le pied. Hein. Ah bah voilà. Ça c'est une bonne zone bonus. Pas de menace. Oh mais fais un effort s'il te plaît. Mince, je suis en train de faire marche arrière, attention. J'ai presque envie d'arrêter. Ah, c'est bon. J'allais dire, j'en avais assez de péter des murs pour aller dans des salles secrètes. Mais si ça se trouve, il faut le faire pour trouver Jimmy. Non, Superman! Si tu t'approches maintenant, ils sont programmés pour me tuer. Tu dois retrouver la carte d'identification de Luthor qui, seul, peut les désactiver. Je l'ai vu tomber sous sa voiture noire. Ah, d'accord. Donc là, si je m'approche de Jimmy, il meurt. Et donc, du coup, s'il meurt, ben, j'ai perdu. Et si j'ai perdu, c'est grave. Il passe pas au travers du mur! Attends, s'il est passé au travers le mur, est-ce que je peux le voir là? Franchement. Ah putain, mais c'est pas possible! Mais quelle calamité ce jeu! Bon, j'espère que la présence d'un Black Shadow aux côtés de Jimmy ne sera pas trop grave. Ah mais attendez, si je suis dans un étage où il n'y a pas de parking. Est-ce que je peux lever les yeux assez haut? Putain de... Ah, j'ai réussi à le toucher, mais... On me tire par derrière, c'est ça? Oui, si je suis dans un étage où il n'y a pas de parking, donc s'il n'y a pas de voiture. Donc du coup, peut-être qu'il va falloir que je remonte. Et donc du coup la difficulté ça va être de me souvenir où est-ce que j'ai trouvé Jimmy. J'arrive pas à m'approcher. Tiens boum.
Je sais plus ce que ça fait ça, c'est pour posséder quelqu'un, non? Ah c'est ça, choisir un ennemi. C'est bon, il y a des voitures, ok. Peut-être que la carte est quelque part là. I am the man of steel. Je crois que je viens de là, et donc du coup je suis arrivé là, ok. Avec un peu de chance, la voiture noire est dans le même étage où est Jimmy. D'abord deux. Ok, un power up, très bien. Normalement, je peux l'utiliser dans les airs, hein, mes pouvoirs. Hein. Ouais, c'est ça. Pour le moment, on n'est pas mouru, ce qui est une bonne nouvelle. Mais aussi, l'intérêt de battre les ennemis, c'est que ça me permet en fait de savoir où est-ce que je suis déjà passé. C'est-à-dire que si jamais j'arrive dans un endroit où il n'y a pas d'ennemis, alors moi je sais que c'est un parking que j'ai déjà exploré. Je crois que l'espèce de bip bip quand on s'approche des voitures, je me demande si c'est pas une tentative du jeu de simuler les alarmes de voiture. Peut-être, hein. Je dis ça comme ça, hein. Oh non, il m'a fait dévier à cause de ses tirs. Ou alors peut-être que les ennemis reviennent à chaque fois. Ah bah tiens, je me souviens de cet endroit-là. Bon, bah on fouille un autre étage. Hein. Okay. Avance! Putain. Quel danger ici. Ah putain, je peux y aller.
Ça me sert à quelque chose d'aller là? Pourquoi je viendrais là? Ils ont mis une pièce ici, bah là ici on peut entrer là. Il a encore traversé le mur. J'ai l'impression que les ennemis ils arrivent à l'infini. Hein, c'est... Ok, le temps que... Oh punaise. Ça dégage. Oh non, c'est une jauge de... où il y a la kryptonite. Merde. Ça. Dans cette pièce. Ok. Ouh, avance avant que ça se termine mal. Oh! Ah oh, bah putain, je suis mort. J'aurais dû soulever le tank. Eh ben attendez, c'est une voiture noire ça. Je rigole. Bon ben on se met à la recherche de la voiture noire. Hein. Enjoy and have fun. Je me suis pris l'explosion. Tiens, voiture noire. C'est ici qu'il y a la carte? En dessous? Je peux rien faire. Non, c'est pas ça. Oh mince. Oh, j'ai vu un power-up en hauteur, hein, mais ça n'a rien à voir avec la carte, je pense. Ça, c'est le power-up pour posséder un ennemi. Ah, je pensais que ça a explosé. Ah ben voilà. Et ça se trouve, il faut d'abord trouver Jimmy qui nous dit tu dois trouver une carte d'accès et c'est seulement là que la carte peut apparaître. Oh, vous imaginez à quel point ce serait quand même horrible.
On va essayer un truc, si je me replace sur l'ascenseur, il descend. Les combats sont des épreuves, hein, vraiment. Est-ce qu'ils ont fait comme Dark Souls? Et t'as genre un trou sous l'ascenseur? Non, y a pas. Voilà, c'est comme ça qu'on les bat. Connaissant la fourberie de ce jeu, il y a des chances. Bah ouais, mais ouais, c'est aussi ce qui me fait peur. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est essayer de retrouver Jimmy. Pour ça, je vais peut-être avoir besoin de chance. Ok, je reconnais cet endroit. Bah allons par là. Absolument, Zégurne, hein. La meilleure attaque pour s'occuper des ennemis, enfin des Dark Shadows, ceux qui me tirent avec leur flingue, c'est de... Ah tiens, j'ai retrouvé Jimmy. C'est de le rentrer dedans en volant. Bonsoir Raphaël, comment ça va? Ben moi ça... Oui, ça va. Voilà. Non, Superman, si tu t'approches maintenant, ils sont programmés pour me tuer. Tu dois retrouver la carte d'identification de Luthor qui seul peut les désactiver. Je l'ai vu tomber sous sa voiture noire. Dommage que t'aies pas trouvé ça plus tôt. Oh, ça fait un petit moment maintenant que je le sais, Zygurne. Ça fait un petit moment. Hein. Après, c'est pas non plus un truc qui permet de faire effacer tous tes soucis. Hein. Après, oui, c'est vrai que je le savais pas au tout début. Ça m'aurait sans doute aidé pour le tout premier niveau. Mais après le premier niveau, j'ai fini par le voir. Hein. Après, bon, il faut avoir de la place pour voler. Hein. Je faisais la popote pendant que j'ai joué la Wii qui hackait mon compte. Ah putain. J'utilise mes pouvoirs. Oh, laisse tomber, putain. Ah non, je vais pas me faire tuer quand même, tiens. Prends ça. Ah, lui, il meurt pas parce que j'ai pas pris assez de vitesse. Toujours sur ce jeu que demande Raphaël. Bah écoute, j'ai passé à peine 5 heures dessus, hein. 5 heures, c'est pas beaucoup. Bah oui, mais je suis peut-être encore sur le jeu, mais je progresse. J'avance. Et on est reparti pour 5 heures encore. Hein. 5 heures de fun. Si je pouvais
pouvez réussir à le terminer, ce serait quand même, ce serait bien. Et donc du coup, il faudrait que je revienne à l'étage tout en haut. Est-ce qu'il... Ne me dites pas qu'il faut que je revienne là où j'ai détruit la voiture noire. Là, il y aurait potentiellement la carte d'identification. Déjà, il faut que je retrouve l'ascenseur. Sans me faire exposer par les voitures. Attendez que je réussisse à m'orienter. Ok, long couloir, ça s'invite. Oh, bonjour. Mais bordel! Je reviens dans la zone du début, du coup. Toi, tu t'en vas. Bon, je me suis pas pris l'explosion, c'est déjà ça. Oh, de la vie. Parfait. Ah bah, j'ai tout récupéré. Ah, ok, donc je suis revenu au début, la voiture de police. Ouais. Alors je crois que la voiture de police. Enfin, la voiture noire, qui peut-être est celle de Lex Luthor, hein, mais peut-être que c'est pas celle-là. Hein. C'était à peu près dans ces eaux-là. Tu vas devoir te retirer, chaîne Trion. Eh bien, écoute, je te dis bonne nuit et merci à toi d'avoir été présent. Ça se trouve, c'est une bêtise où il faut détruire une colonne comme ça. Ah, j'espère pas. Hein. Alors là, il y a une voiture noire. Bah, c'est la même que j'ai, celle que j'ai dégommée tout à l'heure, mais... Oh, putain, c'est ça! Oh, oh, putain! Mais c'est nul! Parce qu'on l'a trouvée, cette voiture, tout à l'heure. On l'a trouvée, mais il n'y avait rien en dessous. Donc, c'est bien ce qu'on craignait, hein. C'est-à-dire que t'es obligé d'aller trouver Jimmy qui te dit « Tu dois trouver la carte d'identification, sinon je suis mort! Tu la trouveras sous la voiture de Luthor, qui est noire !» Et c'est bon, après, la carte daigne apparaître. Oh là 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 là. Oh. Putain, même si tu sais où est la carte, t'es obligé de faire un aller-retour de l'enfer. Alors, je sais plus, c'est par là où il est, Jimmy? Il est dans ces environs-là. Hein. Pas de panique, je sais ce que je fais. Ah tiens, il est pas là des fois? Il est là. Bon. Est-ce que c'est bon? Je peux m'approcher de lui? Ah bah le voilà. Et maintenant il va falloir l'escorter. Merci Superman. Darkseid voulait me faire périr dans l'explosion de l'immeuble. Explosion de l'immeuble? Oh non putain. Oh non, pas de compte à rebours s'il vous plaît. Pas de compte à rebours, non. Une bombe va sauter d'un instant à l'autre. Tu es notre seul espoir. Putain, j'ai aucun indice! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Est-ce que je dois retourner sur le parking partout? Ah non, je dois désamorcer la bombe, j'imagine. J'ai aucune idée d'où est-ce que je dois aller. Une bombe va sauter d'un instant à l'autre. Mais je dois désavancer ou je dois fuir avec Jimmy? Oh, oh là là.
mais non, ça va être le cas où je saurais pas quoi faire. Ou alors, est-ce que la bombe serait pas dans l'une des pièces marquée Danger? Aïe. Effectivement, Darkseid voulait se débarrasser d'un gosse de 15 ans. Ouais, ouais, c'est... ça semblait être très important pour lui. Attendez, je me souviens que les... Il n'y avait pas un jeton, non. La salle où il y avait marqué Danger, c'était dans les... le deuxième sous-sol. Oh, c'était un truc du genre. Exit. Ou alors montons d'un étage encore. Attends, mais on doit trouver la bombe comme ça, par hasard, comme ça, et... Peut-être que la voiture de police est un indice pour moi, hein. Tiens, la voilà. Là, je sors du niveau. Il y a le vitre qui s'est pété. Ouais, il y a lui. Il n'est pas là tout à l'heure. Ah bah, visiblement, c'est pas ici. Hein. Viens là. Et c'est ça le niveau, c'est fouiller toute la zone et espérer tomber sur le... Merde. Ah, ce gameplay. Fouiller au hasard et, avoir, et prier pour tomber sur la bombe. Alors, en fait, je veux pas ramasser la voiture, mais le problème c'est que Superman ramasse automatiquement les objets. Quand ils volent. Et par contre, je crois me souvenir de l'emplacement de, d'un point de vie, là, quelque part. Ah bah, j'ai plus le laser. Hein. Oh, c'est là, non? Oh, je sais plus. Un point de vie que j'ai pas ramassé. Ah, oh, va falloir faire avec, hein. Bref. Je pourrais continuer par là, c'est ça, ouais. Bon, c'était là. Voilà, il y a le ventilateur. J'ai retrouvé les endroits où il y a marqué Danger. Peut-être que c'est dans une de ces salles-là, hein, mais bon, le problème, c'est que j'ai presque plus de vie. Un peu chiant. Ah, c'est pas là. Je sais que dans, dans l'autre salle, je demande s'il n'y a pas un, des points de vie. Il y a de la vie. Ramasse la vie. Ramasse la vie. Yes. Superman is back. Bon allez, gageons que la bombe se trouve dans, dans une de ces pièces-là. Je n'ai aucune idée. Hein, y a... Yeah.
Ah oui, la zone où il y a de la kryptonite. Y a de là-dedans, hein, mais bah, je peux pas y entrer. C'est quoi ça? Des interrupteurs? Ah, c'était des interrupteurs des fois. Putain, non! Ah merde, mon pouvoir est. Bah oui. Alors, je sais pas du tout si c'est ce qu'il faut faire, mais. Des fois, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je sais pas si c'est ça, hein. J'ai entendu un bruit d'explosion, est-ce que c'est mon carton qui a explosé? Non, ça va. En compte, ma vie baisse, hein, bah oui. Mais putain. J'aime bien au moins vérifier si c'est ça. Est-ce que ça fait ouvrir la porte? C'est tout ce que je veux vérifier. Oui! C'est la bombe? Putain, la bombe est là! Mais j'avais plus de points de vie pour résister à la zone où il y a la kryptonite. Eh, hey, j'y crois. This looks like a job for Superman. Allez, on y croit. On a trouvé. Enfin, je pense que c'était la bombe, hein. Oui. Par contre, il faut que je m'assure d'avoir du gel. Oh, voilà, là, le gameplay. Le gameplay. Mais parfait, tiens. Voilà. Bon, première chose, aller trouver Jimmy. Hein. Oh, avec les poids, on peut détruire les murs, non? J'ai réussi tout à l'heure. Ah voilà, c'est bien ce que je pense. Ok, voilà l'ascenseur. Oh, mais lâchez-moi. On repose le pied dessus, parce qu'il faut aller au troisième sous-sol. On espère retrouver Jimmy rapidement. Essayons de ramasser comme les power-up. Alors ça, tiens, voilà. Ah, parce que je rappelle que normalement, il est censé avoir Darkseid. Hein. Si ça se trouve, Darkseid, ça va être un combat contre lui. Hein. Ok, Jimmy est là. Il me dit que si je m'approche, il est mort. On va revenir... Un ascenseur. Depuis quand il y en a deux en même temps là? Ramasse-le. Jette-le. Oh là. Allez, reviens sur le parking. Voilà. C'est-à-dire là où t'as commencé le niveau,
C'est-à-dire là où tu auras pu trouver la carte d'identification. Mais parce que le jeu a décidé d'être complètement pourri, bah tu pouvais pas récupérer la carte lors de ta première visite. Mais qu'est-ce que ça rame! Même Pokémon Écarlate rame pas autant! Hey, mais mon laser qui continue! Mais non! Pourquoi mon laser continue? Ah, du coup, j'en ai épuisé, bon, c'est pas grave. Oh! Et le ramage! Au secours! Ok, la voiture est là. Parfait. Quand même quelques points de vie, voilà. La voiture, paf, voilà. La carte de Luthor, parfait. Et avance du con. Allez, surtout pas croire que je sais où je vais. Hein. Je connais pas par cœur l'endroit. Hein. Y a un power-up là? Non. Donc, l'idée c'est de retrouver après l'endroit où. Mais ici, y a un jeton là? Si, voilà, au pied de cette espèce de tour. Attends, tuons tous les ennemis. Voilà, prenons ce jeton au moins. Ah mais mince, c'était peut-être le jeton qui resterait toute ma vie celui-là. Peut-être pas dû le gâcher. Alors ça c'est le couloir où il y a les chambres secrètes. Ok, c'est là où il y a Jimmy. Normalement, j'ai du souffle de glace. Hein. Bon, ceux-là. Bon, pour la forme, je vais les battre. Si ça se trouve, il y a besoin de les battre. Où est-ce qu'est la bombe que tu demandes, Benji? Eh ben, on n'a aucune indication pour savoir où elle est. Mais heureusement, je pense l'avoir trouvée. Malheureusement, au moment où j'ai trouvé, je suis mort parce que j'avais plus de points de vie. C'est dans une salle qui est. Plongé dans la kryptonite, donc du coup on perd notre vie. Mais je sais à quel étage c'est. Aïe. Normalement j'ai suffisamment de souffle glacé pour. Merde, 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 deux, 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 deux. C'est là il y avait deux interrupteurs à mettre. Attends, ah, il y a des points de vie là, parfait. C'est bien ça. Bon, je vais laisser le jeton de points de vie. Bah, attends, je vais éliminer. Bon, laissons le jeton là pour le moment. Peut-être que je réussirai à me souvenir de sa position. Pour récupérer si besoin. Là. Oh, j'ai pas réussi à retrouver, merde. Voilà, c'est dans l'une des salles où il y a marqué Danger dessus.
Oh, j'ai perdu beaucoup de vie. Ok, donc j'ai retrouvé la salle. Par contre, je suis obligé d'éliminer les ennemis parce qu'ils sont... Enfin... Tellement chiant. Oh là là, mais je perds de la vie tout le temps, partout, pour rien. Bon, je devrais en avoir assez pour entrer dans la pièce et... Il n'y a plus personne. Allez, courage. Courage. Putain, t'es même pas capable de poser un carton devant toi, vraiment. Ok. Deuxième carton. Le jeu a complètement échoué. Ah mais attendez, je crois qu'il y a des points de vie à récupérer. Je crois qu'il y a des points de vue à récupérer dans cette pièce-là. Je crois que j'essaye, tiens. Ça a marché, ok. Je jette un coup d'œil. Non, mais c'est du souffle glacé. J'en ai largement assez. Bon, allez, espérons qu'on meure pas, là. Normalement, j'ai largement assez de points de vie pour entrer dans la pièce et repartir. J'espère. Le compte à rebours, c'est terminé. T'as vite sorti de là. Laisse-moi sortir, Jimmy. J'ai été tué par Jimmy. Ah putain, le dialogue m'a empêché de partir. Mais non. Non. Espèce de connard. Je suis mort à cause de toi. Je m'en foutais de ce que t'avais à dire. Ah, c'est hallucinant. This looks like a job. Non, mais c'est injuste. Oh. Mais non. Bon, je change un petit peu d'itinéraire. Tout ce que je dois trouver, c'est un ascenseur. Putain, je m'attendais tellement pas à qu'il y ait un dialogue. Putain, c'est hallucinant ce qu'il y a eu. Bah oui, bah cependant les dialogues, bah le jeu continue de tourner. Mais c'est ça, Benji, hein. Jimmy, c'est un salaud. C'est un traître. Il nous a tués. Ok, première étape, libérer Jimmy. Là, je sais pas si j'ai envie de te tuer, de te sauver là. Hein. Je sais pas si j'ai envie de te sauver là maintenant. Hein. Putain, à cause de toi là. Espèce de merde. Oh putain, j'arrive même pas à avancer. Il est coincé de partout. Tous les murs, tous les sols, tous les plafonds. Ça stoppe Superman. Merci pour le clip, Benji. Parce que je pense que celui-là c'est le meilleur. Oh tiens, de la vie. Je pense que le clip où je suis mort à cause de Jimmy.
Oh, je pense que c'est le la palme d'or. Hein. Oh, j'en peux Ok, on a retrouvé l'ascenseur. Oh, c'est pas simple. Wouah. Ah, c'est vraiment pas simple. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que là, je ramasse plus de power-up. Et que ça se trouve, je vais en avoir besoin pour m'en sortir face à Darkseid. Par contre, j'ai bien joué là au niveau de la... de mon itinéraire. Putain, mais vous êtes horrible. Les ennemis communs qui tirent. Enfin... Ton personnage est tellement lourd que je déteste les combats contre eux. Oh. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se trouve, je vais avoir besoin de mes lasers, en fait. Ça se trouve, mes lasers seront utiles face au boss. C'est pour ça que là je préfère vraiment fouiller le parking parce que je... Ouais. J'ai pas envie de me faire avoir une cinquantaine de fois quoi. Ah bah tiens voilà parfait. Ah oui, je pourrais ne pas me déplacer dans les airs, hein. Bon, j'ai presque plus de points de vie, mais pas de panique. J'en ai pas ramassé là dans cet essai-là. Ah tiens. Exactement ce dont j'avais besoin là. Bon là, je n'ai peut-être pas de souffle glacé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un. Ben, à côté de... Il y en a un à côté de... Ben, de la salle où il y a la bombe. Ah oui, mais d'abord, faut que je sauve Jimmy. Bah oui. Je retourne voir Jimmy d'abord. Alors, ce que je peux faire, c'est aller poser les cartons sur les interrupteurs. Est-ce que c'est pas là? Tiens, il y a des points de vie des fois. Pour un power-up. Faire des points de vie. Ça sert toujours. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais aller poser les cartons. Comme ça sera fait. Putain, allez. Top. Ça nous permet d'aller chercher le souffle glacé. Voilà. Oh. On va s'assurer qu'il n'y a plus aucun ennemi. Parce que j'ai pas envie de prendre un tir et bah, de perdre un carton. Ça a l'air d'être... Bah, t'es carrément dessus toi, hein. Saleté va. Eh mais si je te tape, tu... Attends. Voilà, bam. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, les interrupteurs ne sont pas apparus. Bah si, ils sont là, mais il n'y a pas le... Ouais. Ils sont là, mais il n'y a pas le faisceau rouge, quoi. Donc, je me dis que peut-être que le jeu, il serait complètement perdu si je mets déjà les cartons. Alors que les interrupteurs ne sont même pas activables encore. J'en suis là, hein. J'espère que je peux pas me faire écraser par l'ascenseur.
De toute façon, ça va, j'ai réussi à descendre. Jimmy. J'ai pas envie de ramasser la voiture et qu'elle risque d'exploser sur moi. Bon, le pouvoir de d'avoir un ennemi comme allié, je m'en fous, mais je m'en fous royal. Ah merde, j'ai confondu, je croyais que c'était là où était Jimmy. Allez, courage! Pourquoi c'est la bonne? Qu'est-ce qui... Quoi? Hein? Je viens de sauver Jimmy, mais il est où? Je suis où? Et qu'est-ce que... Ah oui, merci Superman, mais quoi? Mais... ah oui, c'est dans cette pièce-là. D'accord, il suffit juste d'être dans cette pièce-là et... Ok. Je suis un midlife. Attendez, c'est là où il y a les... Oh mais non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, là, s'il te plaît. J'ai largement le temps hein, de péter un mur, d'aller dans une pièce. Là. Ah parce qu'il peut avoir un jeton de vie. Et là, il y a un jeton de vie. Ouais. Vas-y, ramasse-le. Tu peux y arriver. Voilà, parfait. Ne te restant pas tout, mais... on est toujours très heureux de récupérer notre vie. Et je sais que c'est pas la seule pièce où il y a un jeton de vie. C'est pas la seule. Voilà, peut-être que... Tiens, hop. Putain, quel... C'est bon, allez... Normalement, avec ça, je devrais être en mesure de désamorcer la bombe, de parler avec Jimmy et puis de partir assez loin pour ne pas... Ah, tiens, pourquoi a-t-on besoin d'un ascenseur quand on est Superman ? Hey. Bon, ici, je me souviens, il y a un jeton de vie. Je pourrais la récupérer après avoir désamorcé la bombe. Et que Jimmy ne... Ouais, ouais, non, non, non. Non, non, Jimmy me tuera pas par mes gardes. Non, non, certainement pas, non. Ça suffit, ça suffit comme ça. Le jeu est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. En fait, quand je dis que le jeu est pas simple, c'est surtout que c'est pas simple à tenir bon, quoi, vraiment. Merde. Oh. J'ai peur qu'avec mes bêtises... Mais attends, par contre, je peux pousser le... En vrai, attendez, je peux le pousser le carton. Ah, je peux pousser le carton, bah très bien. J'ai du souffle. Ouais, c'est bon. Tu sais, on a plus de 6 minutes là devant nous, mais j'ai quand même des sueurs froides, hein.
La bombe, elle est juste à côté et tout, mais je suis en train de me dire, putain, doucement, 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 ne pète pas le carton. Enfin, s'il est possible de le péter, hein, mais ne le pète pas. Ne pète pas le carton. Easy, boy. Tout va bien se passer, voilà. Maintenant, tu pousses le carton. Voilà, tout va bien. Maintenant, tu vas dans la pièce kryptonite. Je pense qu'on peut rien faire avec la machine. Hop, voilà, tu gèles ça. Ok, y a plus le compteur à boire disparu. C'est bon, Jimmy, tu peux venir. Vas-y, approche. Approche, Jimmy, approche. C'est bon. On craint plus rien. Putain, et n'empêche que j'en ai perdu de la vie. Hein. J'étais un petit peu au-dessus de la moitié. Hein. C'est dinguerie, hein. Bravo Superman, Darkseid doit être fou de rage. Il va sûrement revenir dans le parking pour se venger. Oh, démerde-toi. Hein. Donc du coup, avant de regagner le parking, il faut que je récupère ma vie. Attends un petit peu, Benji, avant de dire GG. Hein. Attends. Faut d'abord que je batte Darkseid et puis après tu pourras dire GG. Ok, c'est dans cette pièce-là qu'il y a de la vie. Éliminons-les d'abord eux. Parce que si je récupère de la vie et que je perds quelques points de vie parce qu'ils me tirent dessus, bah ce serait un peu dommage. Il n'y a plus personne. Ok, le jeton. J'ai vu quelqu'un qui tire à hauteur, mais bon. Ok. Allez. On s'accroche. J'ai vu un autre jeton de vie. Ah, je suis dans un parking, mais c'est pas le bon. Ah, si. La voiture de police de début. Alors, attention, si Darkseid se ramène, je balance le laser. Hein. Bon, j'ai l'impression d'avoir mis un vent à Darkseid. Je crois que je lui ai mis un vent, mais je ne l'ai pas vu. Ah oui, parce que c'est bon, en fait, on est au premier étage. Où est-ce qu'il est? Putain, faut chercher le boss, quoi. Je vais éloigner la caméra. Voilà. Il est où le boss? Oh putain, il y a des chars, merde. Non mais sans blague, il est où là? Pour moi, il est au parking du... Oh, tiens, il y a de la vie. Bah, ramassons-la maintenant, parce que je pense que ça, c'est de la vie qui restaure juste 20% de vie, peut-être un truc comme ça. Allez. On va pas réussir à le retrouver, ça va être sensationnel. Oleur, il est de retour dans le parking du dernier sous-sol.
ramassons pas la vie quand même, hein, gardons-la si besoin. Bah, je peux retourner au troisième sous-sol, hein, peut-être qu'il est quelque part là. Hein, je... Il va sûrement revenir dans le parking pour se venger. Bah, j'y suis dans le parking. Hein. Bon bah, peut-être. Olé, il est au parking là où était la bombe. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi un espace parking dans l'étage où il y a la bombe. C'est vrai. Bah, là, je suis retourné à l'étage où il y avait Jimmy. Oh, je me fais toucher. Bon, là, j'ai fait tout le tour, ouais. C'est normal parce que je n'ai pas pris l'une des sorties. Peut-être ce parking là, hein. On va voir. Eh oh ! Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je cherche le méchant ! Je suis à la recherche du méchant ! Où qu'il est, le méchant ? Ah tiens, là c'est la pièce où était Jimmy. Il n'y a personne. Oh. Monsieur Darkseid. Monsieur Darkseid. Il était de là. Et lui ? Non, c'est pas lui, c'est... Ça, c'est un Dark Shadow. Ah, mais t'es près d'une voiture, c'est dangereux. Moi, pour moi, ce serait clairement le parking où on commence le niveau. Je sais même plus s'il y a des parkings dans l'étage où il est là. Peut-être que oui. Hein. C'est pas impossible, en effet. Attends, j'ai vu des points de vie là. Ah oui, il y a des points de vie. On va en profiter. Descends. Ah, Rosigurne, encore dans ce foutu garage. Putain, ouais, c'est bien le mot. Hein. Saleté de parking. Hein. Bah, je suis à la recherche du boss. Figure-toi. Je cherche le boss, mais le boss il s'est perdu. Le boss s'est perdu et j'essaie de le retrouver. Enfin, de le trouver tout court, hein, parce qu'on l'a pas croisé, mais. On m'a juste dit qu'il était pas content, qu'il me cherchait, mais je le trouve pas. J'y reviens, Benji, à l'étage où il y a la bombe. Voilà, on y est. Là, on est au deuxième... Au deuxième sous-sol. On va dire que le premier sous-sol, c'est le rez-de-chaussée. Donc, premier, deuxième, troisième. Je suis revenu au deuxième. Et je sais plus s'il y a un parking dans cet étage-là. Non, on va essayer, tiens, vas-y, va par là. Il était de là. Il était de là, va savoir. Ça fait pam pam boum partout.
Level design, Phantasy Star 2 tiers. Ouah, attention le missile. Alors, très franchement, le level design, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Hein. Et non, franchement, ça n'a rien à... Non, c'est pas du tout du Phantasy Star 2. Hein. Oh non. Non, franchement, le level design, c'est pas ce que je trouve le plus pénible dans ce niveau. Non. Bah, maintenant, j'ai à peu près en tête le level design. Franchement, non. Alors, le level design, c'est... Ça vaut, je pense, je dirais, pour tous les niveaux. C'est pas... Ah, merde. C'est pas ce que j'ai le plus à reprocher au jeu. Hein. Bizarrement. Par contre, il y a des missiles qui me... Est-ce que c'est Darkseid qui m'envoie des missiles et... Non. Oula. Y'a rien au-dessus de moi des fois. Osons-nous. Mais est-ce que ce serait le boss qui me tirerait des missiles ou alors un char dans un autre étage et ses tirs traverseraient éventuellement le plafond? C'est douloureux quand même. Hein. C'est quand même douloureux. Ah non, mais c'est toi qui me tire dessus depuis le... Merde. Mais non, il est pas mort. Explose quand je te lance. Là, contre le mur. Voilà, merci. Heureusement que j'ai un peu de points de vie ici, là. Bon, bah Darkseid n'est pas du tout là. Oh! Là où je pèterais de rire, c'est si le boss se trouve dans l'un des passages secrets, tu sais. Ah, pour moi il est tout en haut. Hein. Pour moi il est tout en haut. Je pense vraiment qu'il est tout en haut. Hein. Avec une seule sortie, très bien. Merde, lâche-toi. Doucement, lance la voiture assez loin pour pas te prendre l'explosion. Voilà, je reviens au début du niveau. J'ai jamais vu un jeu où tu galères à trouver où est le boss. Hein. J'ai jamais vu ça. À part éventuellement les jeux Zelda où dans le donjon tu t'as pas la boussole et donc tu cherches où est le donjon, mais. Ah, tu es en train de regarder une solution, Benji, pour. C'est pour ça que tu sais que. Qu'il est près de là où j'ai. Merde. Ah ouais, donc c'est pas du tout cet étage là quoi. Ok. Et ben retournons au... Mais c'est au deuxième étage hein. Donc j'ai mal cherché. Bon, très bien. Ben j'ai quitté l'étage parce que je pensais en avoir fait le tour. Mais visiblement non. À moins qu'il y ait d'autres... Ah, merde, non. Passons par là. Ah, donc en fait, ça doit vouloir dire que... Bon, c'est pas tout à fait là où il y avait la bombe, mais bon, on n'en est pas loin.
une salle où ça sert à rien, mais je perds de la vie. Bon, ça sert à rien que j'y aille. Bon, effectivement, ça c'est un parking, mais bon, c'est pas non plus le parking du premier sous-sol, quoi. Bonsoir, millénaire de crevettes. Donc il est près de là où j'ai trouvé la bombe, ça veut dire qu'il serait là. Ils sont en train de se tuer entre eux, là, c'est très bien. Aïe, 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 aïe. Donc il serait quelque part là. Il est là, là sur le parking où je suis. Marrant que tu voles dans les couloirs étroits comme ça et que tu pivotes, ça fait penser à Starwing. Au moins Starwing c'est bien. Donc le boss il serait quelque part là. Il serait quelque part là. Bon, moi j'ai pas envie de m'approcher à nouveau de la zone où il y a la kryptonite. Hein. Ah oh putain, il est là! Ouais, d'accord. Ok, il résiste pas à la glace. Ah, désolé, mais j'ai la flemme. Hein. Ah, désolé, Darkseid, mais là, j'ai vraiment la flemme maintenant. Hein. Ah, j'ai la flemme. Hein. Et du coup, quand tu vas disparaître, c'est bon, c'est victoire pour moi. Je dois te reprendre pour te livrer à la police ou c'est bon? Je dois retourner à la voiture de police comme ça? Mais non, s'il vous plaît, mais non, mais s'il vous plaît. Mais ne lâche pas, j'ai pas appuyé sur le bouton. Putain, j'espère que j'ai éliminé assez d'ennemis pour qu'on me foute la paix. Hein. Attends, je vais sérieusement devoir marcher. Putain, non! Putain, c'est pas fini! J'espère qu'au moins qu'il se réveille pas, Darkseid. Hein. Mais non, mais au secours! Normalement, en allant par là, je devrais pouvoir rejoindre un ascenseur. Je peux pas voler. Ah si, je peux voler. Je peux voler. Mais oui, c'est vrai que je peux voler. Ouais, mais sauf que je risque aussi de perdre, non? Mais non! Il est où? Il est là? Il est avec moi. C'est bon. Ramasse-le. Non, descends pas! Bon, c'est pas grave. Attendons. Il va redescendre, mais c'est pas grave. Après, il remontera. Non, je me fais tirer dessus. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, non, lâchez-moi, je vous en... Darkseid! Non, pars pas! Et maintenant, c'est l'ascenseur qui est parti! Ah! Non! Mais vous êtes des connards, vous! Putain, j'ai perdu Darkseid, il est là-haut, là. Oh putain, heureusement que l'ascenseur ne nous tue pas. Mais s'il vous plaît, allez, l'ascenseur, descends. J'en peux plus. C'est une blague. C'est une blague, descends. Ah, comment je vais faire? Je fais descendre l'ascenseur. Mais remonte pas! Putain, je dois refaire descendre l'ascenseur et tout, mais c'est une dinguerie. Je peux pas, hein? Oh!
Mais c'est pas vrai. J'ai peur de faire le... Oh, c'est bon. Ramasse-le, s'il te plaît. Allez, l'ascenseur. Mais descends pas! Mène-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Amène-moi à l'étage au-dessus. Je te la... Je t'implore. Bah, en fait, j'ai peur de me prendre les plafonds et de perdre mon prisonnier. Avance. J'espère qu'il n'y a pas de tank. Ou... Attendez, il y a des points de vie là. Eh, je sais que ça sert à rien, mais je veux pas prendre de risques. Putain. Secours. Et n'empêche que sa pose est fabuleuse, hein. Il l'a lâché! J'en peux plus! c'est Jimmy là-bas, non? Ah, c'est ça, hein? Ou un flic? Non, c'est Jimmy, hein? Bah, suis-moi, Jimmy, hein? Regarde! Putain, ce jeu est tellement fantastique. Putain de merde! Ok. Je l'élimine. Putain, il est pas mort! Jimmy, viens ici vite! Oh! La voiture de police, putain, elle est là. Allez, allez. Vive-moi la suite, hein. Qu'est-ce qu'il fait, Jimmy? Il est en train de me pousser. Jimmy est en train de me pousser, qui est en train de pousser la voiture de police. Ça va aller jusqu'où, là? Il se passe quoi, là? Doucement, Jimmy. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, Jimmy? On va appuyer sur start avant que le jeu me fasse perdre. Oui, je sauvegarde. Oh putain! Mais c'est fou à quel point les développeurs ont perdu le contrôle de leur jeu. Waouh! Et vous savez quoi? Je suis motivé à faire la séquence des anneaux. Comme ça, je gagne du temps pour la prochaine fois. Oh là là! Oh là 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 là! Ah, je suis content que ce soit fini. Attendez, je regarde juste si j'ai pas de soucis de auto-touring. Waouh! Ah, je suis content qu'on soit sorti de cet enfer, hein. Je demande quelle sera la prochaine sauce. Quelle sera la prochaine sauce que le jeu mettra sur moi pour me manger? Hein? Oh, bonsoir Pob, comment ça va? Oh là, t'as encore raté quelque chose d'extraordinaire, Pob. Hein. Tu es arrivé après que j'ai terminé un niveau, mais incroyable encore une fois. Oh! Putain, 1 heure et demie. Vu le nombre d'anneaux, tu es sûr que tu joues pas à Sonic? Parfois, je me demande. Hein. Parfois, je me demande, Pob. Hein, mais oh, putain, on vient de terminer un niveau de type exploration, mais tu n'imagines même pas. Mais tu n'imagines même pas la longue liste de problèmes. Je pourrais rédiger un roman. Je suis en mesure de rédiger un roman entier. Consacré à ce jeu et à ses problèmes. Je pourrais rédiger un mémoire complet. Je pourrais en faire 10 tomes.
Alors qu'est-ce que je vais devoir faire? Dissible les deux tornades. Ok, ça marche. Il y en a que deux. Vas-y, une. Et heureusement que le jeu n'a pas été remis sur Nintendo DS, hein, parce que il aurait fallu que je souffle dans le micro. Allez, tornade. Encore une nouveauté, hein, bien sûr. J'ai vu le clip où tu transportes Darkseid. Ah putain. Ah ouais. Le transport de Darkseid était bien plus dur que le combat en lui-même. Hein. N'empêche, heureusement que j'avais farmé le laser. Hein. Heureusement que je suis allé ramasser dans le niveau les power-up qui me donnent le laser pour faciliter le combat parce que ça m'a bien rendu service. Non, par contre, ce que tu as raté, et ça, par contre, c'était magistral. Tu as raté le moment où j'étais tué à cause de Jimmy Olsen. Pour rappel, Darkseid est censé être l'une des plus grosses menaces de l'univers DC Comics. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit sur le chat. Et là, Darkseid, tu le transportes comme un caca périmé jusqu'à la voiture de police. Ah, j'ai mal pour Darkseid en vrai. Hein. J'ai tellement mal pour lui. Je connais tellement mal les Superman que j'ai même appelé Darkseid Darkseid parce que je lisais comme c'était écrit. En pensant que c'était une faute d'orthographe, mais désolé. Désolé, hein, je suis un culte hein, du côté Superman. Hein. En même temps, je n'achète pas vraiment de comics. Les seuls comics que je possède, c'est sur Batman. Batman, ça va. Hein. Je suis assez solide niveau connaissance dessus. Oh non, je ne m'en veux pas, hein, mais je préviens juste. Et Darkseid fut arrêté pour un PV non payé. J'ose même pas imaginer son amende. Hein. Je sais pas combien va s'élever son amende là, Darkseid. Où sont... Ah ok, c'est sous l'eau. Non ! Ah, j'ai le nez qui se bouche, c'est chiant. Ils ont plus d'idées, hein. Oh. Merde, je me trouve de boutons. Oh non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de flancher. Putain, on a fait deux fois dessus de la même mission quand même. Hein. Oh. Wow. Ah, le niveau de recyclage... Attention les freins!
Ouais, franchement, sans déconner, dites-vous que le joueur du grenier dans son test a fait qu'effleurer la surface. Hein. Ah, je crois qu'il y a aussi l'AVGN qui a fait un test sur Superman 64. Hein. En même temps, bah, faut pas s'étonner qu'il l'ait fait. Hein, je veux dire, c'est quand même un grand classique des mauvais jeux, donc c'est obligé que Cinémassacre ait fait un test dessus. Et je serais. Bah, j'ai revu le joueur du grenier de Superman et en vrai. Le joueur du gre... enfin Fred, il présente pas beaucoup de choses sur le jeu. Hein. Oh. Après tout ce que j'ai vu là jusque-là. Bah oui, non mais c'est vrai. Hein, en termes de jeu pourri, il est immanquable. Hein, mais après, je comprends. Hein, je comprends le joueur du grenier de pas avoir voulu jouer plus de 5 heures au jeu. Hein, je comprends tout à fait. Mais s'il a le courage de continuer le jeu, mais il peut faire un long test, hein. On peut faire un très long JDG sur ce jeu-là, hein. Y a de la matière, hein. Et pourtant, je trouve ça très triste, hein, parce que quand je vole là, à travers Métropolis, bon, ok, la distance d'affichage, elle est ce qu'elle est, d'accord? Mais je connais pas d'autres jeux Nintendo 64 où on peut se mouvoir librement, sans écran de transition, dans une zone aussi vaste. Est-ce qu'il y a d'autres jeux Nintendo 64 où on peut se déplacer dans une zone comme ça? Sans aucune coupure, en volant librement, sans barrière, sans limite, dans une ville comme ça, je connais pas d'autres jeux. Hein. Bon après, hein, le vol à travers les anneaux. Bon, en tant que mini-jeu, c'est rigolo. En tant que jeu principal, c'est écœurant. Mais je peux pas m'empêcher quand même d'être impressionné par le fait de pouvoir se évoluer là dans ce métropolis. Hein. J'ai quand même cette fascination qui reste présent pendant que je joue à ce jeu. Bon ok, ça rame. Plein de fois. Pour la 64, c'est un petit peu ok quoi. Donc, après, bon, si ça rame un petit peu, j'ose même pas imaginer ce que ça serait s'il y avait un petit peu d'habitants ou genre de choses là quoi. Mais c'est pour ces raisons que je peux pas m'empêcher de me sentir un peu triste et de me dire que. Bah, je dis pas que les développeurs voyaient un potentiel à l'époque, mais. Ah, quel gâchis quand même, hein. Cible les trois tornades, mais ça suffit. Bon, ça m'arrange, hein. Moi, comme ça me permet d'avancer sans trop de problèmes. Pourquoi pas? Les séquences de vol des autres jeux vont tellement te sembler rapides dans le futur. Tu parles des autres jeux Superman, peut-être. Mais je pense que même sans parler de Superman, hein. Là, je pense qu'après avoir terminé. Enfin, quand j'aurai terminé ce Superman, je m'empresserai de me relancer une partie de F-Zero-X. Ou alors de Star Fox 64, qui est sur le Switch Online. Je n'ai pas. Oui, de tout jeu tout court. Ah oui, tu ne t'arrêtais pas forcément au jeu Superman, ouais. C'est clair. Ah ouais, tu m'étonnes, hein. Après, ça va, je dirais pas que c'est lent, en vrai. Puis, c'est une vitesse qui me permet quand même un petit peu de voir où je vais, quoi. Je veux dire, si c'était plus rapide, mais peut-être que le problème serait que je raterais les ados. Là, c'est pas le cas. Je dirais pas reprocher les sensations de vitesse, parce qu'elles sont quand même là, les sensations de vol. Je pourrais limiter au jeu de cette époque. Je sais pas si Spyro était plus rapide. Peut-être que si.
Et bon, Spyro, voilà, c'était des mini-jeux. C'était quelques séquences. C'était vachement bien dans Spyro parce que ben, ça permettait de casser la routine. Là, dans Superman, ben, je sais que je fais que me répéter. Mais c'est le jeu entier, quoi. C'est le jeu entier. Les sensations de vol sont pas mauvaises, hein. Vraiment. Là où il est indéfendable, c'est son système de combat. Et plein d'autres trucs aussi. J'ai perdu le fil, non, ça va, je l'ai retrouvé. Ce jeu aurait pu être un précurseur des jeux en monde ouvert en 3D, hein. Ça aurait pu. Ça aurait pu, hein. On aurait juste pu seulement reprocher le jeu d'être un peu moche, enfin d'avoir une distance d'affichage honteuse. Et encore une fois, oui, la distance d'affichage est faible. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de verticalité quand même, hein, avec les immeubles, les ponts, tout ça. Là, enfin, bon, après, ça aurait pu être un monde ouvert contraint aux limitations techniques de l'époque, hein, je veux dire, bon, pas beaucoup de véhicules et tout, très peu de vie, bon, d'accord. Une distance d'affichage qui soit comme ça, bon d'accord, mais avoir une petite carte avec quelques objectifs que tu fais dans l'ordre que tu veux et tout, soit tu fais la mission principale, soit tu fais d'autres missions qui améliorent la puissance de Superman. T'as les missions, tu protèges les gens avec contre les tornades, t'en as d'autres, ben tu protèges des gamins qui font du skateboard et tout, mais tu ferais ça dans l'ordre que tu veux. Après, je sais pas si ça aurait sauvé. Enfin, on va pas changer ce qui a été fait, hein. Pendant ce temps, attends, je lis. Pendant ce temps, du côté de la Warner, tout le monde eut le jeu Suicide Squad qui a été retardé pour un final. Être toujours le même jeu live service avec l'intelligence artificielle dégueulasse. Eh ben putain. Ah oui, il se fait complètement bâcher le Suicide Squad. Ouais, j'ai vu une bande-annonce de Suicide Squad. Détruit les 4 Dark Shadows. Très bien. Je peux pas bouger. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Enfin, le système de jeu, ça aurait été, par exemple, pour accéder à une quête principale, bah, tu dois exécuter un certain nombre de missions. Un peu comme quand on ramasse les super étoiles dans Super Mario 64. À la manière où on ramasse un certain nombre d'étoiles pour débloquer l'accès à de nouveaux niveaux. Mais tu dois exécuter un certain nombre de missions que tu fais dans l'ordre que tu veux. Si les anneaux ça te saoule, tu vas faire des combats. Si les combats ça te saoule, tu protèges les habitants contre les tornades et tout. Voilà, t'es pas obligé de tout faire, mais t'en fais suffisamment pour pouvoir accéder au niveau suivant, quoi. Ah ouais, c'est triste, hein.
Après, voilà, c'est un jeu qui aura pas plu à tout le monde, bien sûr. Hein. Il y aurait peut-être une répétitivité qui s'installerait et tout, mais... Ah, ça aurait pu être une formule juste sympathique. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Alors que dit Pop, même IGN crache sur le jeu. Quand IGN est négatif dans sa preview, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, parce qu'ils ont l'habitude d'être plus tendres. De se montrer magnanime. Enfin, encore une fois, là, voler à travers les anneaux, je trouve que ça va. Ça va, enfin, là, c'est juste une séquence, c'est moyen, quoi. Parce qu'on en a trop fait. Là, j'arrive à avoir une bonne vitesse, c'est rigolo et tout, je vole au travers la ville et tout. Là, ça va. Merde, 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 merde. Et en plus, voilà, encore une fois, c'est très permissif, les séquences des anneaux. Je peux en rater un certain nombre de fois. Alors, j'ai un timer pour donner un petit peu de piquant quand même à l'épreuve. Mais à chaque fois, le timer n'a jamais été trop juste. Hein. Ah tiens, bah, ça y est, je suis à la fin, je suis à 1 minute 30. J'arrive plus à avancer. J'arrive plus à avancer, gameplay, au secours! Star Departure. Quand tu penses que le niveau avec les cercles, c'est le plus facile du jeu, ce n'est même pas la séquence la plus facile. C'est la séquence la plus jouable, en fait. Même le gameplay est agréable. Parce que les combats, c'est une purge. Le système de combat dans ce jeu est une purge. Je trouve ça horrible de devoir se battre contre les ennemis dans ce jeu-là. Tellement que Superman est lourd à diriger. Enfin, c'est un peu comme à la Tomb Raider. Mais dans Tomb Raider, tu te bats avec des armes à feu. Donc du coup, ça va, ça compense. Et encore, même Lara, t'as un système de lock. Là, t'as pas de système de lock. Le combat au corps à corps, Superman, il met 100 ans à pouvoir placer un coup parce que tu dois te déplacer sur l'ennemi, attendre la fin d'animation de marche de Superman. Et enfin, quand il est à l'arrêt, tu peux appuyer sur le bouton pour attaquer. Et quand t'attaques l'ennemi, il est pas mort parce qu'il faut porter deux coups. Et en plus de ça, il est éjecté au loin. Donc tu dois à nouveau te déplacer vers lui, te protéger des balles, avancer à nouveau vers lui, t'arrêter, donner un coup. Ouh. Ou alors, bon, tu peux leur rentrer dedans en volant. Ok, heureusement qu'il y a ça. Tu peux leur rentrer dedans en volant, quoi. Mais là, c'est juste, tu te barres. Là, tu te tapes une barre en voyant ça, quoi. C'est une solution, mais tu te tapes une barre, mais en te foutant de la gueule du jeu, encore une fois, quoi. Et donc, on est arrivé... Ben, on est arrivé au niveau 10... Non, au niveau 11. Parce que là, ça a sauvegardé au niveau 9. Donc, du coup, on a terminé le niveau 10. Non! Attendez. Non, les niveaux impairs. Bon, attendez, on va regarder ça. Les niveaux impairs, c'est les anneaux. Les niveaux pairs. Bon, là, c'est le niveau 10, alors. On va pas le commencer, hein. Pour échapper à Parasite, le professeur Hamilton s'est réfugié dans un champ de force au sous-sol de Star Labs. Parasite essaie de noyer Hamilton en faisant remonter le niveau de l'eau. Retrouver le professeur et travailler en équipe avec lui pour battre le parasite. Ah oui, attention. C'est une zone aquatique. Then there's no time to waste. Hamilton sera noyé avant que tu le trouves. Ah ah ah. Putain, 3 minutes pour le trouver. Ah ah ah. Oui, j'ai sauvegardé, Benji. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai sauvegardé. Mais là, je vais regarder ma sauvegarde avant d'arrêter. On est arrivé au niveau 10. Combat d'affirme. Ah oui, bon. Ah, les combats, c'est naze. Hein. Les combats, c'est naze. Le pire, c'est que ça aurait pu être juste un petit peu correct. Hein. Ça aurait pu être juste un petit peu correct, le jeu. Hein. Oh.
Est-ce que vous pensez qu'au prochain live, je peux terminer le jeu? Je sais pas. Attendez, je... In short time, your fate will be sealed, Superman. C'est ça, hein. 2, 4, 6, 8, 10... Il reste 4 niveaux. Alors que Parasite, c'est aussi un méchant dangereux de Superman, vu qu'il peut absorber ses pouvoirs. Bah oui, non. Bah c'est lui, bah oui, c'est lui d'ailleurs qu'on voit là, c'est Parasite. Et le jeu n'a pas menti sur sa réputation. Hein. De toute façon, quand j'ai commencé le jeu, je m'attendais pas à être le gars qui allait défendre le jeu, qui allait trouver du bon en lui. C'est Brainiac. Ah oui, pardon. Pardon, pardon. Mais mais c'est vrai que Superman, j'ai jamais vraiment regardé. Brainiac. Bon. Brainiac, pardon. Enfin, je dis pardon. Non, je n'ai pas besoin de m'excuser. Et je pense que je rattraperai. Je sais même pas où est-ce que je peux regarder la série animée Superman. Je me demande si elle n'est pas sur Netflix comme Batman, la série animée. Et ouais, il faudrait que je me mette à jour. Je pense que ça pourrait me plaire d'ailleurs. J'ai bien aimé Batman, j'ai bien aimé Justice League. Go regarder la série animée. Ouais, franchement, je me rattraperai pour Superman. C'est quand même un grand classique. Oh! Ouh! N'empêche que c'est un jeu qui. J'essaie de rester tellement concentré que je suis pas du tout fatigué. C'est un jeu qui me stimule. Bon, allez, on va arrêter de blablater. On va en terminer là. Il serait temps, au lieu de continuer à souffrir. Bon, et ben en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Pardon. Tu trouves que j'avance vite? Bah mince alors. Bah si moi j'avance vite, mais dans ce cas-là, j'ai de la peine pour les autres joueurs qui ont dû rester plus longtemps dans les niveaux. Ah, j'ai mal pour vous. Enfin, j'ai mal pour les joueurs qui ont eu la même motivation que moi, mais qui sont restés prisonniers plus longtemps dans les niveaux. Peut-être que le jeu sera fini au prochain stream. Je le souhaite vraiment. Je le souhaite vraiment. La fin de la souffrance. Bah, déjà, ce sera la fin de la souffrance. Mais surtout, la fin des lives de Superman 64 signifie le début des lives sur Xenoblade Chronicle X. Et je ne mens pas cette fois-ci. Hein ? Oui. La fin des lives Superman signifie le début de Xenoblade sur Wii U. Donc, je pense que... Enfin, surtout, Bob, vous avez hâte que j'en finisse avec ce jeu. Une bonne fois pour toutes. En tout cas, Benji pense qu'il me faudra deux lives. C'est pas impossible, hein, c'est vrai. Hein. Si jamais les prochains niveaux sont atroces... Ouais. Je crains que... Peut-être deux lives. Effectivement. Clap de fin, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, parce qu'on est la nuit. Allez, je vous dis ciao, ciao. Merci à vous.